italien. Qu'est-ce qu'il faut faire? 30 secondes en italien et après on passe en français. Et cosa dobbiamo dire in italiano? Noi siamo professori della pubblica istruzione. Della povera istruzione. Noi siamo professori della pubblica istruzione francese. Siamo che cosa? Ma i professori di italiano, italiano non serve a niente. Ecco, tanto basta non aggiungere serve una niente, O, no? Ma vanno. No. Serve l'italiano perché ci sono scambi economici molto importanti con l'Italia e la gente non sa che si manca di persone per poter fare questi scambi economici con l'Italia. Manca l'italiano. E poi studiare l'italiano è anche una possibilità per aprirsi a una cultura ricchissima, antichissima, una bellissima cultura, alla musica italiana, all'arte italiana, alle città italiane. Dunque questo è molto bello. Se non si parla italiano non si può capire l'Italia. On va le dire a ceux qui parlent pas italiano. L'inglese non è tanto parlato in Italia. È mal parlato. Come in Francia. En français? Donc on va le dire a ceux qui ne parlent pas italien, che c'est important de parler italien. C'est important parce que les Français, ils vont beaucoup en Italie, déjà pour le tourisme, pour les vacances. Et c'est vrai que le fait de parler italien, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que de l'avoir appris un peu à l'école, ça donne des clés pour entrer en contact avec les Italiens. Et ça, c'est superbe, parce qu'une fois qu'on entre en contact avec les Italiens, eux, ils sont très contents, ce sont des gens qui aiment discuter, qui aiment l'échange verbal, qui aiment faire connaître leur pays, leur art culinaire. Et qui aiment l'effort qu'on a fait de s'adresser en eux en italien. Ils sont très contents quand ils voient que les touristes, et notamment les Français, parlent un petit peu l'italien. Et puis ça peut aussi, on peut aller un peu au-delà après, aller vers la littérature aussi, vers les romans, vers tout ce qui, la BD italienne aussi, qui est aussi très riche. Voilà, donc c'est aussi un Et je le répète et j'insiste, on a besoin pour trouver du travail. Et actuellement, nous avons des élèves dont les parents vont se renseigner à la NPE et ils choisissent italien parce qu'il y a plein d'offres de travail avec italien. Donc l'italien, c'est le premier client de la France, le premier fournisseur et le deuxième client de la France. Et donc on a besoin de gens parlant italien parce que de toute façon, c'est celui qui parle la langue de l'autre qui emporte le marché. Dans divers secteurs. Pourquoi une association des professeurs italiens, est-ce que c'est nécessaire? C'est la présidente qui le dit. C'est indispensable. C'est indispensable parce que chaque fois qu'il y a une réforme, l'italien... vous savez, les administrations sont tout ce qu'il y a de plus rétrograde. Donc elles restent avec les très vieux clichés. Et donc, régulièrement, l'italien subit les vieux clichés administratifs. Et si on proteste individuellement, nous n'avons aucun poids. Donc il faut qu'on ait une représentation officielle pour pouvoir officiellement intervenir auprès des rectorats et du ministère avec le poids de toutes les personnes que nous représentons, sans toutefois être un syndicat, ce que nous ne sommes pas. Qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Qu'il est d'origine frioulane. Ah. Vous venez de l'apprendre? Il est encore sous le choc. Non, je le savais, mais je ne savais pas que ça s'appelle Frioul.